Johnny, si c'est ça. Mettez-moi le bon point, les amis. Ok, laissez passer la Porsche. C'est la Porsche qui va. C'est Diego qui a la position, ok? On y va. Si on connaît la position, nous on va se cacher. Et démasquez-vous, les gars, démasquez-vous tous. Démasque-toi, Tété. Bah, mais en fait, le bail, c'est qu'on s'est passé. Démasque-toi, William. Pour ça, je descends. Non, tu es pas obligé de le faire comme ça. Tu es pas obligé, tu as un petit languette sur le côté de ton masque. Ah, ok, ok. Allez. Allez, on va au-dessus, la porte. Toi, tu veux qu'on vienne? On en a combien sur les lieux, là? On a deux types? Mais bon, vous nous faites rien, tu vas pas voir dans le. On a combien? Deux types qui nous attendent là-bas? Ouais. Deux et le troisième est en route. Allez, hermano, donc on va les mettre dans la Porsche parce qu'il n'y a plus de place dans le Raptor pour les embarquer. Hein. La Porsche, c'est en 4 places? Ouais. Ah bon? Ils vont les prendre dans la Porsche. Ok. Après, il y a encore un mettre un sur la moto si. T'as du quoi, Franck? Ils vont les prendre dans la Porsche de ce, que j'ai, de ce qu'ils viennent de dire. Ouais, bah oui. Ok. Et s'il y en a un troisième, on le foutra. Il y en a un de nous qui ira sur la BF et il montera avec vous dans le Raptor. Ça marche. Tu as mis le point? Non, je suis la Porsche. Attention, lui rentre pas dedans, tu sais. Si, je fais attention. Des phares, les gars. Il est fort. Ah, merde. C'est le H. Le point, pas ça. Petit molette sur le H et sur le côté. Ah, ok, parfait. Voilà. Merci. Je lui dis devant aussi. Ah, si, tu peux lui dire. Devant, éteignez les phares. Répète à la Porsche, éteignez les phares. Il est pas sur la radio, Diego, c'est pour ce blindé. Je sais pas. On entend bien sur la radio, oui. Si, on entend pas. Ah, donc c'est ok. Tony, donne-nous votre pause, on arrive en plus. Il faut les attendre à l'entrée du ponton, je pense. Et là, il fallait se cacher, donc on va voir. Les gars, venez, on est pas sur le. Avancez pas jusqu'à l'entrée du ponton. Ouais, tu me diras. Stop. Oh putain! Vous dites pas que c'est un patron derrière. C'est Carlito le lieutenant. Non, il y a le type derrière. Ah, oh merde. Aïe aïe aïe. Fais le signe de passer. Voilà. Oh merde, j'espère que c'est pas un patron. Bah, je pensais que si. Putain. Bah, c'est sûr. Bah, ouais, mais il roule trop collé aussi. Non, Carlito, mais... arrête de rouler collé comme ça au véhicule et moins vite. On fait quoi? On n'est pas censé se cacher? Alors monsieur, j'étais pas collé, c'est juste que tu freines d'un coup, je regardais le mec derrière parce que c'est le putain de chef, il est déjà là. Oui, je sais. Mais c'est Franck qui m'a dit arrête-toi. Avance un peu. Bref. Dis-moi quand je m'arrête. Stop. Je crois que c'est le grand parking en bas là, non? Sûrement, il y a deux véhicules là-bas. On voit personne. Ouais, je vois personne non plus. Je sais pas où il va. C'est pas ça. Mais après, le boss, il est parti où? Il est parti à gauche là-bas. Oh là. J'y vais ou pas? C'est qui ça? Justement. C'est peut-être le boss. On le braque? Je sais pas, il faut braquer. Mais il faut qu'il monte dans la Porsche. Derrière. Il serait pas trop. Ah putain. On aurait dû l'attraper, je pense. On se cachera ou pas? Garde-toi,
Des bras cassés, les gars. Si, ouais. En même temps, on a pas les infos. Diego et Tony, ils donnent pas l'info. C'est le boss qui est là-bas qui discute avec le type ou c'est juste des types? Il y a un patron. Restez dans mon véhicule, les gars. Monsieur Masque? Je sais pas. Non, mais il me voit pas. Ouais, vas-y, c'est un peu tout petit. Ok, les gars, dès que je vois le signe, je vous le dis en radio. Non, j'ai dit que tu. Attends, calme-toi. Je pense qu'on aurait dû mettre le véhicule dans une ruelle parce que s'il y a un autre type qui arrive. Tony, le signe c'est de lever les mains. Ok, venez le chercher. Let's go. Attendez, monsieur. Allez, montez, monsieur, avec le collègue là, porte, s'il vous plaît. Ok, t'amènes, tu sais où. Voilà, je veux pas de mal, moi. Vous allez niquer mon événement, là, putain. Ah, on peut rien faire tranquille dans cette putain de ville, là, bordel. C'est pas possible, ça. Alors, menez-le là, et il y en a un qui reste avec lui, qui le tient, qui le met, vous le claquez dans le local, et vous le faites pas de mal, vous le traitez bien, bien sûr. Okay. On s'occupe des suivants. Il y en a un autre qui arrive. Partez vite. Allez. On se reprend. Non, tu te casses, roule à l'ancienne maison. Ah non, c'est la Porsche, nous on se replante. C'est la Porsche, nous on se cache, non? Oui. La Porsche, c'est pas la Porsche. Ok, donc il y en a un qui me le tient dans le local en jour, vous le traitez bien, vous regardez s'il manque de rien, là, ok? Et on attend le prochain, il y en a un autre qui arrive, là, ok? Là. Ok, si, j'ai vu. Tu gardes le véhicule là. C'est qui a conduit la Porsche? C'est Diego, je crois. Est-ce qu'un de vous... Titi, okay, il va falloir que tu me donnes des munitions. Diego, va le porter. Va le porter au quartier, là. Amène-le au quartier. Titi. Amène-le au quartier, viens derrière. Diego. J'arrive. Ok, ouais, ça marche. Amène-le au quartier. Mets quelques munitions dans le coffre, là. Je crois qu'on peut plus monter dans le Raptor. C'est moi qui t'ai appelé, c'est bon, excuse, s'il te plaît. C'est bon, normalement. Tu en as combien sur toi? J'en ai encore 200, t'en as besoin encore? Mets la moitié, tu mets 125 munitions. Donc tu rajoutes 75. Voilà. Tony, je te vois pas. Nickel. Amenez-le au quartier, vous revenez ici, là, et le plan est part en couille, là. Il y en a juste un qui reste avec lui au quartier, la Porsche devait rester avec moi, là. Mais non, la Porsche, ils vont le chercher, non? Et ils vont l'amener au truc. Mais non, et moi alors, je fais quoi moi ici? Putain. Allez, vite, faut que la Porsche revienne là. Vas-y, Franck, monte. Franck, monte. Allez, vas-y, monte. Attends. Va à la maison. Tu me mets le coin, s'il te plaît? On va à la maison? Les gars, vous le faites monter dans le. Masquez-vous le faites monter dans le Raptor, vous l'amenez dans le local là, tu te rappelles où on peut faire. Allez, plus vite, c'est voiture. La radio, on arrive, on est en moto. Eh, l'otage, on le fait monter dans le Raptor, non? Allez, on s'en fout, les gars, tous en bas. Si, l'otage, allez. Sors de là, dépêche-toi. Les gars, putain, sors de là. Monte là, monte, vite. Voilà! Allez, roule! Il est pas content. Allez! Eh les gars, la radio!
Ouais. Bon, l'otage, demande c'est quoi la fin de numéro du mec qu'on a intercepté, la fin de son numéro. C'est quoi la fin de ton numéro? Hein? Réponds, c'est quoi la fin de ton numéro de téléphone? 31. 31. Mais du coup, je vous sers à quoi de ça? Tu poses pas de questions, tu te tais là, tu vas faire. Ah. On t'a déjà pris ton radio, ton téléphone ou pas? Oui. Bien. Tu poses pas de questions. D'accord. C'est qui ça? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut qu'il y en ait un qui reste avec lui. Allez, descendez. Ok. Vous voulez que je reste avec lui? Parfait. Ouais, vas-y, surveille. Sors ton arme avec lui. Hein. Ah, j'en ai pas. Ah, super. Super. Bah, remonte. Franck, il va rester. Oswald. Oui, j'ai un problème. Ok, tu sais où il l'amène, c'est bon? Oui, oui, oui. Si, tu l'amènes, tu dans le local où j'ai les deux guignols la dernière fois. Ouais, ouais, ouais. Parfait, bah Dieu te suit, parce que là, il prend ses aises. Bras croisés et tout, là. Putain, ça me saoule. Allez, viens là, viens là, viens là. Viens là, viens, viens, viens. Oh là. Bah, allez, on y retourne. Vous avez pas besoin de votre arme, je suis. Allez, là, passe par là, là. Non, 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 attends, non. Non, l'autre côté, c'est l'autre côté, c'est l'autre côté. C'est pas pour me porter votre arme, en fait, tu dépends. C'est pour te montrer où aller, calme-toi. Vous avez un doigt, regardez. Je vais pas vous poser de résistance, mais pas besoin de me pointer avec votre arme. Tout va bien. Là-bas, là-bas, la porte au fond. La porte noire au fond, là-bas. Ok. Ah bah, on aurait dû me faire passer par l'autre côté, là, il faut sauter. Mais non. Je te montre. Ouais. Ça a été imaginé bizarrement, tu sais. Allez, rentre. D'accord. Oh. Tu as le même à la maison. Tourne à vous. Voilà. Je vais te voir comme ça. Non, non, face à moi. Ah, face à vous, ok. Et maintenant, on va être patient. Ah. Ok. Patient comment? Patient. Ok. Je m'étais fait tout beau pour un événement et c'était une entourloupe. Aïe aïe aïe. Je serais venu en habit décontracté. Hein. Pourquoi un entourloupe? Bah, le monsieur qui m'a dit c'est un événement, il a dit ouais, prenez-le, nanana. Donc c'était une entourloupe. C'était une entourloupe, non? Je vais pas répondre à votre question. Vous doutez bien qu'ici c'est pas vous qui posez la question. Non, c'était une question rhétorique, je connais la réponse. Vous n'êtes pas armé, monsieur? Non. C'est vous qui venez d'arriver en Raptor avec une BF derrière? C'est nous. Vous êtes patron de quoi, vous? Copatron bénéfacteur. Et les gars, vous les voyez? Tu vois, vous les voyez le Raptor rouge et la moto? Oui, on est c'est nous, on est revenu. Titi, au cas où, récupère dans le coffre pour pas qu'il y ait de problème. Regardez derrière vous. J'ai pas pu le récupérer, je pense qu'il faut que je fasse un sieste. Ok, je vais le récupérer. Ok.
Vous avez pas soif? Vous avez pas faim? Non. Bien. Les gars, vous... Ok, clotage, là, ça se passe bien, là? Il est calme. Ok, demande-lui s'il a soif, ah bon, s'il a, veut boire, s'il va manger. Soigne-le bien, tu lui dis que rien va lui arriver. C'est juste... Il y en a juste pour quelques minutes. Qu'il fasse preuve de patience, ok? Reçu. Bon, monsieur. Je vous écoute. Vous m'avez bien dit que vous n'aviez ni soif ni faim. Si effectivement, cas, vous, oui. Si c'est le cas, vous le dites. Mm-hmm. En suivant, je tiens quand même, même si j'ai pas l'air très sociable, je tiens quand même à vous le dire. Rien ne vous écoute. Aucun mal ne vous sera fait. Oui. Il n'y en a que pour quelques minutes. Oui. Si jamais. Tu bois avec Sony ? On vous pose la question chez la police. Quoi que ce soit. Vous direz quoi ? Que. On m'a pris en otage la fête foraine quand je me baladais. Vous avez été maltraité? Ah, non. Voilà. Ah, il y a quand même le monsieur qui a gueulé très fort, quoi. Comment? Il y a quand même le monsieur qui a gueulé très fort en prenant une arme. Ah, ça c'est moi. Ah, c'était vous là qui m'a fait sortir de la Porsche pour entrer oui, en... c'est moi. Ah bah c'est ça, c'était pas très gentil. Bah oui, mais je suis désolé, j'avais pas le choix. C'est mon travail. C'est votre travail. Bah oui. Ok, j'ai besoin d'un guetteur qui passe à toutes les entreprises. Je vais sur les entreprises, il me dit qu'il voit du monde. La colère, je sais pas, tout on m'a dit. On et m'a je dit vais aller là-bas en civil. S'il y a du monde, je vais là-bas en civil. Ok. Je comprends, mais malheureusement, c'était pas le bon véhicule. Raison pour laquelle aucun homme n'a réagi. Raison pour laquelle. On y va. Je me suis occupé de vous faire changer de véhicule. Ok, vous me dites si vous voyez une entreprise qui est ouverte. Vous me dites, je viens en civil, j'essaie de voir si je me fais passer pour quelqu'un qui veut parler au patron, ok. Mmh. Mais du coup, je peux vous être utile à quelque chose ou pas? Soyez patient, vous le saurez en temps et en heure. Je n'ai pas d'accord, toutes d'accord. Les informations. Nous en faut au moins 3, on en tout a que un, nous en manque 2. Il y en a pour quelques minutes. Quelques minutes, très bien. Je n'ai pas de compte exact, les mais mecs, vous allez devoir être un petit peu patient. D'accord, d'accord. Ne t'inquiète pas, il fait les numéros en boucle, merci Diego. Merci de votre écoute et de votre compréhension, monsieur. Eh ben, merci à vous de bien me traiter. Je n'ai aucune raison de vous faire du mal. Ah, je l'espère bien. Il y en a un qui peut aller voir au peuple irlandais au nord si le patron il est là. Il demande si le patron il est là et c'est pour un entretien d'embauche. Je reviens. Enfin non, il passe simplement, il me dit c'est ouvert, je vais aller voir moi-même. Tu peux pas choper quelqu'un sur le territoire du peuple. Il faut le faire sortir ailleurs. Tu as reçu, boss? Ouais, reçu. Vous me promettez de ne pas faire de bêtises? Voilà, moi. Pardon, monsieur? Vous me promettez de ne pas faire de bêtises? Bah non, de toute façon, j'imagine que vous avez fermé la clé. Dans ce cas, voilà. Ah oui, très bien. Voilà. Et oui, la porte, c'est, je l'ai fermée à clé, il n'y a qu'à moi qui ai la clé. Et je l'imagine bien, oui. Si
vous voulez vous asseoir sur la chaise, vous pouvez. Moi, vous inquiétez pas, je suis assis toute la journée derrière un bureau. Ah, oui. Vous faites les papiers au bénéfacteur. Bon, les papiers, les ventes, tout ça, quoi. Travail oui, de copatron. C'est oui, bah, c'est beaucoup. En plus, on prépare l'ouverture de la nouvelle entreprise, ça prend énormément de temps. C'est quoi comme entreprise? Ah, ça, je peux pas encore dire. Ah. Ça va être une grande annonce. Ah. Vous faites bien votre travail de commercial, en tout cas. Ah, oui. J'espère que, malgré tout ce qui se passe, vous allez venir faire un tour. Hein. Bah écoutez, peut-être. Ah, super. Parce que vous savez très bien que quand il y a un événement avec la famille Barra, toute la ville est au courant. Ah ça, on verra la noce. Mmh. Cette famille. Mais je suis de la famille Barra. Ah. Je suis le neveu de Monsieur Barra. Eh ben enchanté. Eh ben, j'aimerais dire enchanté également, mais je sais pas qui vous êtes. Ah, je vais pas me démasquer. Oui, ça, je suis content. Excusez-moi, il faut que j'aille uriner, c'est urgent là. Ah, pas de soucis, peut-être. Info, j'ai une grosse info à balancer, tout le monde m'écoute. Non. Le mec que je tiens dans le KGB. Ouais. Ouais, quoi? Il est de la famille haut placé. Il m'a donné son nom de famille. Il s'appelle Barra. Et alors? Je crois que c'est le neveu ou le cousin. C'était pour transmettre l'information au cas où. Et alors? Demande si c'est le neveu. On s'en bat les couilles, gros, hein, c'est la même. Vous m'avez dit le neveu? Pardon? Vous m'avez dit que vous étiez le neveu, c'est ça? Oui, le neveu. Confirmé, c'est le neveu. Bon, je transmettais juste l'information, c'est pas pour que vous l'ayez. On est au courant, Armano, c'est nous qu'on l'a appelé. Oui, ben écoute, moi je fais mon travail. Ah, plus léger, merci. Ah, pas de soucis. Alors, du coup, vous avez interrompu. Vous êtes interrompu de pisser pour me demander si j'étais le neveu. Je tenais ma braguette fermée rapidement. Okay. J'ai pensé très fort pour éviter de. Ok. C'est ton. Vous en êtes où sur le second? Ok, les informateurs, vous avez repéré des entreprises? Y'a nada. Vous en êtes où sur le second quand on devait attraper là? Toujours rien. Ça pue un peu la merde.
Tony, tu es parti où? Attends, je suis parti au quartier voir l'otage. Je vais faire appeler l'otage au patron qui veut pas venir là. Salut, salut. Ok, le mec était au parc là, tu le connais pas? Je te laisse t'occuper de lui, j'ai besoin d'une sieste. Ok, ok. Si, tu dois le connaître. Les autres, vous êtes toujours là-bas, en blanc? Ouais. Ok. Diego, fais-le appeler, hein. Tu lui dis d'appeler. Bon, pour ma part, c'est attendre la sieste parce que pour le moment, je peux rien faire. J'ai pas de munitions. Ok, donne-moi son téléphone. Attends, comment ça, Armano? Sieste, pourquoi? Parce que j'ai pas réussi à prendre les munitions que m'a laissé Titi dans le coffre tout à l'heure. Et pourquoi tu fais une sieste pour ça? Bah, si j'arrive à pas les prendre, c'est passez-moi son téléphone. Passez-moi son téléphone. Ah, ok, ok. Tiens, c'est moi qui l'ai, tiens. Ok, donne-lui. C'est vous le mec de la Porsche? Je sais pas, c'est le mec de la Porsche qui a monté. Moi je suis. Vas-y, viens. Je me les ai donné quand je vous ai fait changer de véhicule. Pardon, monsieur qui est là? Viens. Ils m'ont capturé avec vous là, je sais pas ce qu'ils font là. J'ai une arme dans les mains il y a deux secondes, hein, donc ouais, j'ai compris, vous inquiétez pas. Ça, c'était mon pétard, ça, mon. Comment vous dites, c'est déjà dans votre langue. Pétoir. Du coup, 27-40. Oui, j'ai. Ouais, 27-40 à fond. Tout ce que je retiens, c'est que je vous ai prêté gentiment une commode, vous me l'avez mise à l'envers, voilà. Du coup, 27-40. Ouais, la fin. Attendez, mais je regarde les numéros un par un. Va attendre là-bas. Oh, oh. Là. Ok, vas-y. Là, ça finit par voilà, 90. Ok, Franck, garde-le. Ça finit par 40. Oui, je le garde. Non, lui, le mec au blanc là. Oui. Là, ça finit par 34. Ok, vous voyez, coup, tu me dis quoi t'as trouvé? Je vais parler à l'autre con. Là, okay, là ça finit par 87. Remettez-le dans le local. Là, ça finit par 43. Remettez-vous dans le local, là. Ok. Merci. Alors, lui, il finit par 73, pardon. Façon, ok, tu lui dis qu'on veut qu'il nous amène, qu'il nous contacte un ou deux patrons, sinon on le tue. Christophe, c'est lequel, déjà? Lui, c'est... Ah, est-ce que tu lui demandes s'il connaît? Ouais, s'il connaît. Pas le patron, non. Je connais un des employés. Tu lui dis, il a 5 minutes pour appeler un ou deux confrères patrons, sinon on le tue. Qui est-ce que tu connais dans tes numéros? Qui est-ce que tu connais comme patron de la ville? Comme patron de la ville? Bah, mon tonton, logiquement. Il y a pas trop de quoi, lui. Bénéfacteur. Aussi. Bah oui, on travaille ensemble, okay. On travaille en famille. Il est en ville? Non, il arrive souvent vers 23h30. Okay. Il est pas dans mes contacts, mais je connais Juan du Frat Mecha. C'est le boss? Je pense. En tout cas, c'est ce qu'il dit. T'as un numéro pour le contacter? Non, je vous ai dit que je l'ai pas dans mes contacts. Et un employé, je sais pas. Toi, à qui comme patron dans tes contacts? Comme patron? Dans tes contacts? Aucun. J'ai surtout des potes, entre patrons on se parle par intranet, on se parle pas forcément par téléphone. C'est pas choper la personne la plus utile de la vie, hein. Diego, tu es en radio là? Voilà. Personne de votre entourage ne connaît de patron. Bah, mon tonton. Oui, mais mis à part votre tonton. Bah, je sais pas, faudrait que je leur demande. Bon, en attendant, donnez-moi votre téléphone. Tenez. Merci. Bon, je donne un conseil. Je m'en fous, vous ramènez un patron sur je te mets une balle. Pardon? Tu me ramènes un patron sur je te mets une balle. Bah, mettez-moi une balle parce que je connais aucun patron par mon tonton. Bah, je m'en fous, mais tu m'emmènes un patron. Comment je peux te ramener un patron? Bah, t'as dit que je connaissais des employés. Diego, tu es radio? Je connais un employé, ouais. Ok, je veux que tu me tiennes informé des réponses et tout ça, ok? Je pas tellement. Ah, bah, il m'a fait. Viens me ramener son téléphone. Celui qui l'a pris. Ramène son téléphone. Tiens, pas de bêtises. Merci. Ok, je veux une équipe qui attend la fête foraine là, ok, qui se prépare. On est prêt, Tony, on est prêt. Je fais un sieste rapide.
c'est Diego qui gère. Diego, il coopère ? Bougez pas tout le monde, de toute façon je pense pas. Non, il galère là. Non, non, bougez pas, je fais une ellipse, je reviens. Voilà, re tout le monde. Pub est ouvert, je pense pas. Au circuit de fer, il y a peut-être le patron là-bas. Patron du pub. Ouais, au truc de au circuit. Toi, 30 secondes. Ouais, je vais chercher quelques chargeurs de Tech9 sur toi ou pas du tout? Non, j'ai pas, Armano. Ah, on sort pas des armées, bordel de merde. C'est pas ici qu'on fait ça. Non, tu as pas compris. Je suis armé, j'ai pas les munitions. Trop tard, man. Oui, bah oui. Ok Diego, reprends la liste d'appels, rappelle tout le monde une fois, fais le tour de la liste là. Ça marche. Et tu dis que tu es le patron du bénéfacteur et que ça passerait bien, et plusieurs autres patrons, que si tu veux, et que voilà, tu dis si vous voulez, je vous passe le patron du bénéfacteur au téléphone, ouais. Et voilà, ok. Ça marche, mais il faut qu'il y en a qui prend l'autre otage. Franck, va rejoindre Diego là. Vas-y, yo. Et du coup? Attendez. Ah bah attendez, on essaie d'attendre depuis je sais pas combien de temps, on fait appeler des gens, des patrons, ils répondent pas, et je sers à quoi? Vous voulez m'échanger contre de l'argent, vous voulez d'informations? Je sais pas moi. Soyez patient s'il vous plaît. J'ai pas de questions. Radio, vous partez du coup? Ouais, reste là, on arrive, Herman, on arrive. Il prendra bien que tu as pas de munitions, on prendra pas le risque de faire quoi que ce soit. Nous, on reste là. Oui, j'ai tout donné sans faire exprès à Carly et à Titi tout à l'heure quand je l'ai armé. Si, j'ai tout. Nous, on reste là, faites forêt. Il faut juste qu'il y en ait un petit peu dans le coffre pour que je récupère des munitions, c'est tout. Tony, Herman. Nous, on reste là, faites forêt. Je sais pas, Armano, il n'y a pas d'autre patron, on n'arrive pas à mettre le grappin sur notre patron là, putain. Bon, et Tony, on va aller voir au circuit F, ouais, il doit voir le patron du pub, le patron du pub, c'est sûr. Au circuit F1, c'est dans le nord, les gars. Vous avez repris votre téléphone? Je sais pas si c'est vous, mais oui. Vous allez commencer à avoir des crampes, essayez-vous, vous serez mieux. Je vais y songer, pour l'instant ça va. À moins que c'est ça un ordre. Vous avez senti ça comme un ordre, vous? Non, mais voilà. J'ai dit à moins que c'est un ordre. Si jamais vous avez mal aux jambes, vous pouvez vous asseoir. Ça vous dérange si je fais une petite méditation de 5 minutes, même pas? Non. Un petit souci personnel, ah merci.
des nouvelles les gars? Rien de mon côté. Ok, vers le nord c'est mort, on peut plus y aller, hein. Fini. Pourquoi? Il y a un barrage. Ouais, tu peux contourner de l'autre côté, il y a rien. Il est toujours là le barrage. Ouais, on s'est fait arrêter vite fait par eux, ils sont trop cons. 09, il y avait des voitures policières. Check 09 là, mais on est parti, tous les assaillants ils sont partis, il reste plus que la police là-bas. Ouais, mais je veux dire, quand t'as des voitures de police, c'est vite. Bah oui, parce que les policiers c'était dedans. Mais ils étaient dans le. Dehors, okay. Quoi. Ok, ok. Parce que je crois que s'il y avait pas de policiers, peut-être qu'ils sont en otage. Non, mais là je crois qu'ils ont réussi à négocier tout. Toutes les voitures elles sont parties des mecs qui ont pris en otage, je crois. Il reste plus que la police qui ont pu les secours et tout. Ça les gars, j'espère que vous kiffez toujours. Et me revoilà, excuse-moi. Tony, tu veux qu'on débarque au quartier? J'ai juste dit me revoilà. Ouais, l'hermano, ouais, l'hermano. Bien. Bien. Du coup, ça a avancé ou je suis toujours bloqué là? Pour le moment, vous êtes là. D'accord. Oula. Attendez, regardez parce que... Attendez. J'ai un truc bloqué dans ma main là. Tenez, j'ai un truc qui est bloqué dans ma main. Ah, c'est bon, il est plus bloqué. Ah. Du coup, ça va faire 45 minutes que je suis là à attendre sans aucune information, tout ça. Donc, Attendez. Ah, hein. Allo, info, qu'est-ce que je fais de l'otage? Rien. Vous êtes où là avec 09? Je pense qu'on va revenir avec vous. On peut rien faire. On a notre ancien quartier là, on a toujours un otage, mais je crois que c'est mort, on peut rien faire avec celui-là. C'est où votre ancien quartier déjà? Il est inutile. Comment t'expliquer? À côté du en bas là du Frat Custom là, tu vois? Ouais, c'est bon. Il est où là? Masque-toi, il est toujours dans le KGB. Je suis masqué. Non. Si. Ah, c'est vrai que toi, tu laissais poser ton masque.
gars, il y a beaucoup de gens qui en profitent pour faire les supérettes, hein, tant qu'il n'y a pas de police. Les gars, est-ce qu'un de vous peut poser des munitions 4.50 dans un coffre, s'il vous plaît? Et est-ce que l'autre peut aller surveiller l'hôtel? Oswald, moi je vais ramener l'hôtel derrière. Chut, 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 chut. C'est un délire, ça. Ah, mais... attends, et si j'arrive à les prendre... Ah non, mais je peux pas te les donner. Putain. Non, non. Je fais une tentative. Ok. Bah, il me prend comme une arme. Tu as quoi, toi, dans la mer? Ouais. J'arrive à reprendre le flingue, mais pas les munitions, tu vois. T'as essayé de faire un petit dodo? Oui. Ah, ça c'est encore plus je marrant. Je pense que c'est peut-être, je sais pas. Le véhicule. Ouais, je sais pas. Essaye de les prendre, toi, peut-être. Attends. Attends, tu sais quoi? Attends, je vais poser dans ma moto, d'accord, mon arme. Et pose ton arme dans le Raptor, je vais essayer de prendre le Raptor avec les balles. Ton calibre avec les balles. Hop, attends. Ok, je veux une équipe là qui va se poster à la fête foraine, même endroit que tout à l'heure. Il y a un patron qui va arriver là. Non, vous non, la parquez direct pas, dès qu'il arrive, vous me le chopez, vous le ramenez pas. Ici. Hein. Ouais, j'arrive y a pas, pas de discussion. Hein. Faut que Titi la récupère. Attends, Titi. Attends. Repose mon gun. C'est. Ouais, non, il y a un problème. Tu arrives pas à reposer le gun? Si, non, mais je te parle des munitions. Les munitions, non, ils ont un problème. Le gun il est pas là. Si, il est là, je vais le reposer, wesh. Arrête-toi. Si. Et si, il y est. Attends. T'as des problèmes, faut que t'ailles faire un dodo. Hein. Bah, les gars, on doit y aller, hein. Franck, on y va maintenant, hein. Allez, go. Ok, vamos. Viens avec moi, Franck. Ouais, allez, nickel. Il faudra que tu récupères les munitions dans le coffre, si c'est bon. D'accord. Ah, bah oui, non, moi c'est un 9mm, oui, c'est ok, c'est ok. Ok, bah moi, tu peux me mettre le coin, Franck, si ça te dérange pas. Ouais, tu l'as déjà, non? C'est celui de la ville, pas la... Ah oui. Je peux pas. Faut que tu enlèves ton petit point GPS. Vas-y. Là. Tu as intéressant. Okay. Pas grave, pour la prochaine. Putain, ça m'en fait chier, j'ai pas de putain de munitions. T'inquiète, Franck, s'il y a un problème, je te couvre. Vous êtes où? On est dans ce quartier. Très bien. Il y en a un de vous qui a des munitions de cal 50? Moi, mais je sais pas comment les donner. Il faut les foutre dans un coffre de bagnole. Ok, les gars, vous êtes postés à la fête foraine là. On t'a pas entendu. On y arrive, wesh. Et faut les prendre. J'entends affirmatif. Dès que vous y êtes, je vais avoir l'info, ok? On y arrive, on est pas loin là. 200 mètres. Et pour les munitions cal 50, il faut les mettre dans un coffre de bagnole. Tournez votre cachet. Tout seul. Sur site. Des véhicules. Tu pars avec tes munitions, Armano. Il y a des véhicules, c'est lequel? Aïe, tu as toujours pas attendu, c'est pas grave. Franck, lequel c'est le vrai? Stop, je pense que c'est celui-là.
Mais c'est un vrai lui. Oh là. Non c'est pas un vrai. L'autre ça me paraît bizarre. Info sur l'arrivée du type. Il prend les escaliers. Il est arrivé? Non justement, il est arrivé le type. Moi je suis là là, attends, je suis là. Hola, hola. Personne à l'entrée. Hola, amigos. Monsieur. Monsieur. Vous êtes tous de Ronin. C'est pas lui. Allez, vas-y, commence. Je suis avec l'otage, là, je peux pas le quitter, les gars, par rapport au bal. Faut regarder avant de partir en mission. Il y en avait, c'est juste que il y a eu. J'ai dû armer un dégât et je pense que les munitions sont parties avec et j'arrive pas à reprendre. Qu'est-ce qu'il faut, c'est pas grave. Tu veux rajouter du temps, là. C'est pas grave. Y'a qui là? C'est qui? 09? Moto? Ah, si. Ouais, faut laisser cacher, come on, viens avec nous. C'est pas 09 ça. Ouais, je sais pas qui c'est, mais. Ah, c'était le quoi? Oui, c'était le mec. Ça m'a gonflé pour ces munitions de merde. Ah, normal, je comprends. C'est bon, c'est bon. Ok, faut qu'il y en ait un des deux là, il me donne le signal. Carlito! Attends. Carlito! Oui. Tu pourras me donner le signal dès que tu le vois? Ouais, je te le dis. Parfait, merci. Boss, besoin d'une info sur l'arrivée potentielle de la cible. N'oublie pas ton masque, Carlito. Bah attends, je bois. Non, pardon. Ah non, c'est vrai qu'il a mis le casque. Putain, j'ai plus beaucoup d'essence. Hein. Coupez le moteur. Faut que tu apprennes à gérer ton véhicule. Voilà, t'inquiète, j'ai coupé. Ouais, c'est vrai, faut que j'économise l'essence. Bah oui. Garde le tableau de bord allumé, tu vois. C'est, je suis prêt là, je suis prêt. Un véhicule, c'est la moto, ouais, c'est oui. Johnny. Je vérifie quelque chose, rapidement. Aucune idée. Tout le monde, la mission est terminée, c'est mort. Ah putain. Bon allez. Retour villa. Reçu, retour villa. L'équipe d'interception se met en route. Ah, faut que je m'arrête de mettre l'essence. Ça suffira pas? Ah, j'ai peur. Wesh! Ah, j'ai problème! Mec derrière, va-t'en de là. Ok, on va tous rentrer à la villa pour le Le moteur recule tout seul, c'est bizarre. Regardez pas, il recule tout seul, je comprends pas. Ouais, ça va. C'est bizarre. Tiens, voilà. Tu vas faire le plein là. C'est parfait. Faut que je démasque pas. C'est. Oh, c'est le patron de tout à l'heure, ça, non? Ah, c'est pas les mêmes. Ouais, attends. Ah, mais la mission est annulée de toute façon, donc pas grave. C'est juste pour mon véhicule a un problème, je comprends pas pourquoi que ça mon véhicule. Tony, il est où le téléphone de l'otage? Je l'ai mis dans le placard derrière. Ouais, il est dans le placard en arrière qui dit. Ouais, très bien. Il faudra que tu récupères ta munition. Oh merde! Qu'est-ce que c'est? Tu veux prendre le volant? Si tu peux prendre le volant, ça m'arrangerait parce que là. Elle monte. Ok. C'est bon, j'ai laissé, mais je me taille vite parce que j'ai pas confiance en lui. Ouais, pars vite.
vois, mais... Attends, descends. Attends, descends. Non, mais... Ouais. Attends. Mais il est bête. Je vais faire le marche arrière. Allez, grimpe. Quatre fois, je te dis je descends. Monte. Je vais faire un marche arrière. Nico, il est en train de... Ça marche pas, pas 3 mètres de la porte. Je veux tout le monde à la villa. On va faire un gros briefing. On est dans la merde, on va se faire biffer pour briefing. Hein. Bah écoute, hein. Si, je comprends. On pouvait pas faire autrement là, on a pas le temps. Je te fais le plein et tu te casses comme ça. Non, je suis en train de faire le plein là, tu le fais là. Bah moi j'étais en train de le faire, je crois, à la base. Tu continues à le faire là? Non. Ah, tant mieux, c'est moi qui le fais, tranquille. Merci quand même. Carlito rentre dans les villas. Franck et Titi, on fait le plein, on rentre à la village en suivant. Titi, avant de repartir. Si. Ah, bon, c'est pas grave, roule. Tu feras ça à la villa, tu récupéreras les munitions dans la... Ah oui. Ah bah oui. Villa. Je veux bien. J'arrive pas à avancer là. Ok. Voilà. Allez, on rentre à la maison. Je m'occupe de call radio. Tu sais que je vois toujours la jauge très bas, moi. C'est pour ça que tu as fait le plein. Si, j'ai fait le plein, moi. Et c'est pour ça. Ça marche mieux, hein? Ouais, tout de suite. Doucement, quand même. On est armé, je te rappelle. Roule tranquille. Tu te fais pas remarquer. Toi, tu as le règlement de la. Si, j'ai lu le règlement. Voilà, sois discret. Ok, on arrive, le boss arrive à la radio, ok, on arrive au portail. Vous ne pas le faire. J'ai toujours pas été tourné la roue ce soir, tu vois. Moi non plus. Quelle merde, on ira ensemble après si tu veux. Vas-y. Ça m'a même pas si la patronne est là. Je crois pas, hein. Je crois pas non plus. C'est dommage, tu as raté la gifle que Carlito il a pris. Oh putain, tu lui as mis du coup. Ah oui, bien sûr que je lui ai mis. Oh non, je lui ai dit viens, il faut que je te briefe. Il m'a dit sans la claque s'il te plaît, il l'a prise quand même. Ah merde, il s'en est douté, hein. Moi je m'en fous qu'il s'en soit douté, il l'a prise quand même, hein. Ah c'est vrai, putain, je l'ai pas vu ta puce, Frank, hein. Désolé. On avait le plan de le faire tomber. Il fallait que je le fasse vite parce que tu as bien vu. Ouais, on était pressé. Mais bon, au moins je lui ai fait savoir que plus jamais il me prendra par derrière très encore moins en une supérieure. Exactement, frère. Hop, on dessus à droite, hop là, nickel. Ça l'a séché tout net. Bizarrement, il m'a dit oui, Franck, après. Ah, c'est bizarre, en fait. J'aime bien ce... Vous appelez ça un move chez les jeunes. Si, le move. J'adore. C'est un bon move. Oui, exactement. Enfin, chez les jeunes, je suis pas si vieux que ça, mais... Non, oh t'es encore jeune, Franck. Tu nous as fait du joli, là. Ah, merci. Ben... Johnny, t'es où? Non. Non, mais oui, ça y est, tu viens de penser? Si, j'ai oublié. Voilà. On le fait après, hein? Et merde. Johnny, je veux que tu regardes si tout le monde est là ou pas, hein, ok? Tu me fais le compte, tu regardes si tout le monde est là. C'est toi qui as l'information. Bon. Ok, on Diego. Attend. Diego, tu es où? Ah, je crois qu'il est parti me chercher à manger. Si, si il arrive, je le vois, il est dans la maison.
Alvaro, c'est Pablo. C'est Pablo. Ouais, viens, viens là, déjà, je fais un briefing. J'étais pas là, mais c'est pas grave, les informations seront nécessaires pour toi aussi. J'arrive, 30 secondes. Ok, j'arrive tout de suite. Je prends la voiture et j'arrive. Et désolé, j'ai des petits soucis. Ok, je sors pas. Tu es où toi, Pablo? J'ai pris ma voiture, j'arrive. Je suis en ville. Ok, traîne pas parce qu'on va attendre que tu sois là, comme ça je peux pas te donner le briefing 10 fois. Ça va, il est là. J'arrive là, je rentre. Ok. J'ai réglé mon problème. J'arrive, je m'habille. Je sais pas si c'est nécessaire. Pas trop, Pablo, comme ça va passer. C'est bon, je me suis habillé, j'arrête tout de suite. Ah, putain. Ok, tout le monde est là. On va faire un petit briefing. Alors, ce briefing, il a lieu maintenant parce qu'il est nécessaire. Mais il aurait dû avoir lieu également avant toutes les choses. Bon, dans tous les cas, on va commencer par le début. Je vais quand même vous remercier à tous d'avoir participé à cette mission qui nous a été confiée par la patronne. Vous honorez ma femme de votre présence. C'est déjà un bon début. C'est une chose importante déjà de faire acte de présence et ça, vous l'avez rempli sans problème et je vous en remercie. Maintenant, si on parle de l'opération en elle-même, malheureusement, on doit se rendre à l'évidence qu'on ne peut que mettre en avant de gros problèmes d'organisation interne. Un manque de coordination flagrant et outre le fait qu'on a raté la mission, peut-être on a été pris de court par les gens qui ont été plus rapides, ça c'est une chose, mais malgré tout, je crois qu'on aurait pu bien mieux faire. Donc je vais soulever plusieurs points, plusieurs aspects qui me semblent utiles de corriger à l'avenir
Et de toute façon, je vais en discuter avec Aria que il va falloir qu'on fasse un peu plus de pratique tous ensemble sur les opérations pour dire d'être beaucoup plus fluide et beaucoup plus rodé à ce niveau. Si on veut devenir une famille efficace, on doit encore beaucoup progresser. Je vais donc demander à tous tout de même de prendre exemple sur les plus anciens de la pègre qui ont prouvé tout de même leur efficacité vu qu'ils ont été les premiers à trouver la position de l'équipe qui avait réussi à regrouper le plus grand nombre de personnes. Je vous félicite, vous avez fait du très bon travail. Merci. Donc je demanderai à tous les anciens de la CRIM de prendre un maximum d'informations pour prendre l'expérience auprès de ces gens-là dans l'avenir. On peut passer des bons moments, on peut rigoler, mais la priorité, ça va être quand même qu'on soit efficace. Et là, je n'ai pas trouvé que c'était trop le cas, donc il va falloir très très vite remédier à ça. En mon honneur et celui de Aria. Donc, la première chose. Avant toute opération, je m'assurerai personnellement qu'il y ait un briefing qui soit organisé. Donc là, ça a été un petit peu compliqué dans le sens où j'avais de la priorité d'appeler tous les gens pour lesquels on avait reçu des numéros d'appel. Mais voilà, le briefing ayant été beaucoup trop court, j'ai peut-être pas été assez clair sur certaines informations, certaines demandes. J'ai constaté la désorganisation sur les points de rendez-vous que j'avais donné. Donc pour ma part, je ferai l'effort d'être beaucoup plus précis et de répéter peut-être les choses plusieurs fois au niveau du briefing pour que tout le monde soit sûr d'avoir compris. Ensuite, quand on part en opération, on ne part pas à la guerre sans fusil. Il y a des hommes ce soir qui se sont rendus compte pendant l'opération qu'ils n'avaient même pas de munitions. C'est quelque chose que je peux pas tolérer. Alors ces personnes-là, à l'avenir, lorsqu'elles se trouveront sur un point d'opération sans munitions, je veux plus les voir en je veux plus les voir dans l'opération du soir. Elle revient à la maison et elle sera sanctionnée. Ça n'arrivera plus, boss. On fait l'inventaire de ce qu'on a besoin avant de partir. On le fait pas en opération, on le fait avant l'opération. Je peux me permettre? Non, pas pour le moment. Bien. Donc deuxièmement, concernant les instructions. Je transmets les ordres au bras droit, le bras droit transmet les ordres au lieutenant qui eux-mêmes transfèrent les ordres aux soldats et au capot. Il n'y a que comme ça que ça pourra marcher. À l'avenir, je vais faire une pyramide qui sera retranscrite sur la radio cryptée. Où chacun aura sa position avec des hommes qui seront dispatchés sous chaque lieutenant. On prendra le temps avant chaque opération que les informations soient bien données au bras droit et ensuite les bras droits transmettront les opérations au lieutenant qui eux-mêmes devront faire la transmission d'informations. Ça devra suivre l'ordre qui sera donné via la pyramide. Comme ça, ce ne sera pas le fouillis. Johnny, je veux que quand tu es en opération en tant que bras droit, je dois entendre des ordres clairs et précis à la radio. Ici, je t'ai pas entendu assez donner des directives et placer les gars. Donc, quand par exemple on est arrivé au point de rendez-vous au niveau de la fête foraine, il y a carrément un des patrons qui nous a filé entre les doigts. C'est pas normal. Il n'y avait qu'un seul accès à la fête foraine, une seule route, et le gars, il a réussi à nous filer entre les doigts. Or qu'on avait demandé à ce que cet accès soit bloqué. Donc ça, c'est ta responsabilité de t'assurer que les hommes à qui te transmettent l'information aient bien compris. D'accord? Parce que là, c'était la désorganisation totale. Normalement, le gars il devait partir dans le Raptor directement et j'avais demandé à ce qu'il soit amené à l'ancien quartier et tenu en otage par une seule personne armée. Le Raptor devant revenir directement au point de la fête foraine. Ça n'a pas été le cas, on a retrouvé
le patron dans ma Porsche. Il avait rien à y faire. Donc voilà. Diego, par contre, tu as été efficace dans la mission que je t'avais donnée ce soir. Tu as réussi à obtenir des rendez-vous avec presque 4 personnes. Bon, les gars, je vais couper donc, là. Donc, sur ce point-là, en tant que soldado, je trouve que tu as fait plus que ton travail. Tu étais efficace. Je vous souhaite à tous une très bonne tu as fait soirée. Ce que je t'avais demandé de faire. Des gros bisous, tout le monde. Et ciao, donc, ciao. Pour ça, je te félicite.